continuer à partager l'évangile avec toi. Et, mais il est d'usage de toujours poser quelques questions avant de procéder au baptême. Amen. Parce que la Bible dit que sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Il faut avoir cru. Il faut s'être repenti afin que la parole de Dieu s'accomplisse telle qu'il a promis. Amen. Quand nous baptisons au nom de Jésus-Christ, nous baptisons pour le pardon des péchés. Parce que Jésus-Christ est venu dans la chair, il est mort à la croix, il a payé le prix. C'est par son sang que nous sommes sauvés, nous sommes lavés de nos péchés. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je crois. Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour t'accorder le pardon des péchés? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité des morts le troisième jour? En te faisant baptiser au nom de Jésus-Christ, tu t'engages à vivre pour Dieu. Il doit être la priorité. C'est la place. Peut-être qu'il n'avait pas encore, peut-être qu'il avait déjà dans ta vie. Mais c'est la seule place qu'il connaît, c'est la seule qu'il veut. Et c'est la seule à partir de laquelle il va t'amener dans la destinée qu'il a pour toi. Amen. Tu t'engages à te détourner de tout ce qui ne lui est pas agréable et à s'attacher à lui, à lire sa parole. Prier, chercher sa face comme il va te guider et à t'exposer à la prédication de la parole de Dieu. Il est très important que tu écoutes la parole de Dieu le plus régulièrement possible, que tu aies une interaction étroite avec le corps du Christ pour grandir, parce qu'il n'y a aucun enfant qu'on accouche et on laisse dans la rue parce qu'il est déjà né et il s'en sort. Ça prend tout un ensemble, ça prend une famille. Ça prend le corps du Christ autour de toi pour que tu puisses t'aimer et que tu puisses ne pas te condamner trop profondément quand tu faillis, parce que tu apprendras des uns et des autres de leurs expériences et de la parole ce qu'il faut et comment ils ont fait pour passer à travers ces choses. Amen. Alléluia. Donc la Bible dit que sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Donc nous allons faire une prière de repentance. Je vous détenir par là. Nous allons faire une prière de repentance et ensuite nous allons procéder au baptême. Amen. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant le trône de ta grâce. Par la voix, Seigneur, du sang de Jésus, nous allons confesser nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Père, je viens te prier, Éternel, pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, les mauvaises pensées de nos cœurs, Seigneur Jésus, papa, tout ce qui est en nous. T'es désagréable, Seigneur, pardonne toute forme, Seigneur Jésus, toute attitude, Seigneur, tout raisonnement qui s'oppose à ta connaissance, Jésus. Aucun de nous ne mérite, Seigneur, aucun de nous n'est digne, mais toi c'est le digne. Papa, si tu as trouvé, Seigneur, que ça valait la peine de descendre pour quelqu'un comme nous, Seigneur, pour quelqu'un comme Émilie, Seigneur Jésus, nous venons avec reconnaissance, Seigneur Jésus. Papa, la baptiser pour le pardon de ses péchés éternels. Je te prie encore en ce moment même à Émilie, Seigneur Jésus. Un cœur repentant, Seigneur Jésus, une repentance qui mène au salut, Seigneur. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu déverses sur elle ton Esprit Saint, Seigneur, et qu'elle parle en d'autres langues, selon que tu lui donneras de s'exprimer, selon que tu déclares, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et, Éternel des armées, je viens te prier, dirige ses pas, dirige son cœur, dirige ses pensées, Seigneur, crée en lui un cœur pur, renouvelle en elle. Un esprit bien disposé, Seigneur, ne permet pas, Seigneur, pas qu'un être humain, Seigneur, qu'une chose soit une occasion de chute, Seigneur, dans sa vie, mais permet, Éternel, quelles que soient les erreurs, quels que soient les temps, les circonstances, qu'elle court à nouveau vers toi, afin que, Seigneur, le même sang, Seigneur, qui aujourd'hui la lave, que ce sang, Seigneur Jésus, s'applique encore sur elle, alors qu'elle marchera à la lumière, comme toi-même tu es dans la lumière. Sois exalté, Seigneur, merci pour le privilège, la grâce.